Sayyida, stand. This is the hanger. It is bent, molded, and an accessory. It has beautiful colors, and its purpose is to be hung upon. You will usually find it under clothing, often accompanied by fellow hangers. C'est la même chose. Et c'est une boîte de carton. Elle est ouverte, vide, légère et solide. De couleur carton, elle sert à contenir... C'est un morceau de tapis. On la trouve usuellement dans les usines de carton. Il est carré, souple, granuleux en surface et assez lourd. De couleur anthracite, il sert à ouvrir. On le trouve usuellement dans les théâtres, souvent accompagné d'un rouleau de gaffeur. C'est un pupitre en fer. C'est un tréteau de bois. Il est debout. Il est pliable. Plat. Portable. Ouvert. Léger. Et disponible. Et très costaud. De couleur jaune-marron. De couleur noire. Il sert à supporter. On le trouve habituellement dans les ateliers, les repas de quartier et les chambres d'étudiants, toujours accompagné d'un autre tréteau. C'était un rouleau de papier. Et où habite la Margherita? Il était là, trop lourd, trop épais, encombrant et obsolète. C'est un cartable. De couleur crasse, il sert. Il est plutôt lourd, de couleur orange et noir. On le trouve usuellement dans les boutiques professionnelles. On le trouve usuellement sur le dos des petits écoliers. C'est une affiche de spectacle. Elle est grande. Rectangulaire, en papier et enroulable. De couleur sépia, elle sert à communiquer. C'est un poste de télévision. On la trouve visuellement collée au mur, souvent accompagnée d'un article de journal. Écran plat LCD, magnétoscope VHS intégré. C'est une bouteille d'eau minérale. Lecteur graveur DVD surround. C'est un balai espagnol. De couleur. Il est long. Elle est cylindrique, dessinée, longue et sacrée d'une étiquette. De couleur transparente. Souvent accompagné d'un télécommande plat carbonée, souvent accompagné d'un sandwich. C'est un masque de sandwich. C'est une fraise des bois et c'est une soupe en prière. C'est un chausson de danse. C'est une plaquette de beurre. C'est un bateau de pirates. Il est beau. Il est en cuir. Elle est mince, légère, grasse et salée. De couleur noire. De couleur blanche, ivoire à jaune d'or. Il sert à rêver. Elle sert à tartiner. She knew it fucked the youth, but she couldn't dance. So he hipped her to the funk in exchange for the finance. Who's pimping who? Nobody gets a second chance. This is the story of a losing coma, pimp and circumstance. She was older, but rich beyond compare. Drop $1,000 at the salon just to get her hair did. He was good at compliments, better in the bunk. She laced him with a crib in Paris. He hit the phone. Way too fine he was for her. Dirty dog inexpensive. As long as she's providing chips and whips, we can do this funky thing. As long as she was playing the host, he figured he would make the most of them hips and lips. He hooked her up, wiped her coast to coast. Le corps humain. Du
par l'homme, a un tel pouvoir contre l'abstraction que toute tentative d'abstraction, ou bien tombe à plat, ou bien requiert un grand effort pour vraiment pas grand-chose. Eh bien, c'est ce grand effort en lui-même qui est intéressant, ne parlons plus d'abstraction. Concrètement, l'abstraction, c'est quand on ne peut pas dire ça, c'est. Alors, justement, suivant les moments, on pourrait dire ça, ce n'est pas. Ou plutôt, ça, ça pourrait être. Ou plus couramment, ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Ou paradoxalement, ça, c'est quelque chose qui n'est rien. Ou plus simplement, ça, ce n'est rien. Ou ça, ce n'est pas quelque chose. Ça va ? Ça, c'est Pascal. In a rose is a rose, is a rose is a rose. What do you think?